Bon, ben, dans le journal, c'était marqué que depuis un certain temps, les femmes travaillaient pour rien. Vu la différence de salaire, travail égal. Je ne savais pas que c'était exactement 7%, mais... Enfin... Donc, il y a toujours eu d'inégalité. Je pense que homme-femme, on devrait gagner le même salaire à travail équivalent. Mais ça peut s'expliquer. On va dire que c'est pas normal, mais ça peut s'expliquer. Par rapport peut-être à la disponibilité des hommes dans leur travail, où c'est plus facile. Une fois là, on m'a fait savoir que les femmes devaient arrêter à travailler aux environs de 16h et quelques. Et quelle a été ma réflexion? Je ne sais plus. La démarche d'arrêter à 16h34, bon, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Je serais plutôt pas trop favorable, mais bon. Chacun fait comme il a envie de faire. Hein. Donc je ne suis pas salarié. Voilà, donc je ne me suis pas arrêté de travailler. Mais j'ai beaucoup relayé l'info. Ah oui, c'est normal qu'elle bouge, oui. Parce que si on n'avait pas bougé, on n'en serait pas là non plus, hein, nous. Bon. Il faut bouger, il faut que les femmes bougent. Et à force de protester, ça finira par aboutir. À travail égal, salaire égal. Oui, mais moi je dis oui, elles ont bien raison de se battre. Il y a bien longtemps qu'on ne s'était pas battu. Je me suis dit, c'est vrai. Je dis, oh, moi j'avais fait mes 68, mais bon. Et c'est dommage, on ne fait plus des grosses manifs comme ça.